Shalom, shalom, restez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chose due, chose faite, malgré la fatigue, j'ai décidé aujourd'hui de donner un enseignement de taille. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Voilà, j'attends déjà que les vidéos soient partagées. Commencez déjà à partager les vidéos. Voilà, partagez les vidéos. Partagez déjà les vidéos. Voilà, j'attends que vous partagez les vidéos. Partagez-les. Un enseignement de taille. Le rendez-vous des mystères. Le rendez-vous des mystères. Si vous voulez écouter les grandes choses, connectez-vous. Dieu va vous parler. Connectez-vous. Ce que vous n'avez jamais entendu, vous allez les entendre tout à l'heure. Des mystères, c'est une école de mystères. Si tu veux découvrir des choses pour grandir dans la foi, commencez déjà à partager. Voilà, ouais, shalom à vous. Si vous êtes connecté, partagez. Je préfère que vous partagez, c'est important. Partagez déjà et pour qu'on puisse commencer. Partagez déjà dans les pages. Commencez à partager. Partagez les vidéos. Nous allons commencer une école tout à l'heure. Shalom, shalom. Vous m'avez aussi manqué le direct. On est ensemble. Voilà, partagez, commencez à partager, amenez les gens à suivre la vidéo, amenez les enfants spirituels, tout le monde entier à cette école de mystère. Voilà, shalom, m'avait beaucoup manqué. C'est vrai qu'on n'a pas eu le direct à Bruxelles, on n'a pas fait le direct à Bruxelles. Voilà, donc je reprends le direct ce lundi, ce mardi autant pour moi. Voilà, comme ça, désormais, j'ai décidé de faire, je vous donnerai pour mon programme en semaine, pour qu'on puisse se voir trois fois dans la semaine, c'est important, ça. Trois fois dans la semaine pour des enseignements. En temps, partagez déjà la vidéo. Voilà, depuis la Californie, Salima Tatrou, oh, shalom, 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 depuis l'Italie. Manifestez-vous, je vois Denis Champion en ligne, je vois Jean-Roch. Vous n'êtes pas encore nombreux, partagez. Timoko, voici les soeurs, mes filles, les deux soeurs, filles du prophète Crasso. C'est super ça. Commencez à partager. On va écouter les vraies choses. Partagez la vidéo. Commencez à partager la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Chant. Voilà, comme je disais, le prophète même Crasso, il aussi chante de l'Éternel. C'est vrai que son combat contre les esprits, les bougnons, mais à la fois, c'est un chant de l'Éternel. C'est aussi un chant de l'Éternel. Voilà, donc partagez la vidéo. Je les gratter là, ils aiment pas petite musique, faut pas me chasser. Je mets sans fond sonore à chacun sa maison. Partagez déjà la vidéo. Soyez bénis.
Au rendez-vous des mystères. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Vous êtes ce soir en direct pour écouter des vraies choses, des grandes choses de l'Éternel. Nous menons nos combats contre les forces des ténèbres. Et que la grâce de Dieu demeure sous vous. Comme je disais, ça fait quelque temps, je n'ai pas fait de direct, même à Bruxelles. On n'a pas eu l'occasion, c'est un problème de connexion qui fait qu'on n'a pas pu vous donner le programme en direct. J'en profite de cette vidéo pour dire shalom aux gens de la Belgique, en tête Silla, Marley, Judith, Tantara, tous ceux qui ont fait partie. Et la sœur de Marley qui est venue, ma fille qui est venue depuis le Canada, tous ceux qui se sont investis dans ce combat, voilà, depuis le Canada. Merci déjà pour la réussite et le succès du programme de Bruxelles. Gloire à Dieu. Nous projetons l'année prochaine organiser quelque chose de meilleur. On avait déjà expliqué le but de nos tournées. Non, c'est pas pour prier pour vous, sensibiliser la diaspora, pour que la diaspora revienne investir en Afrique. Et Dieu a donné l'onction au prophète Crasso contre les œuvres de la sorcellerie. Et c'est ce que je suis en train de faire par la grâce de Dieu. Parler avec la diaspora pour que cette diaspora puisse comprendre qu'aujourd'hui, elles ont des terres au niveau de l'Afrique pour aller investir. Voilà, donc moi, mon message, il est clair. J'ai toujours dit, si nous envions les Blancs, si nous envions les Occidentaux, qui sont rentrés dans une phase de développement, à un moment donné de la vie, ils ont combattu, n'est-ce pas, la sorcellerie. Ils ont combattu l'esprit de la sorcellerie, ce mal cruel. Ils ont connu un développement. Donc, si nous prétendons, nous voulons entrer dans un développement pas possible, il faudrait commencer par le commencement. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a commencé par les cieux, et puis après, il a fait par la terre. Donc, si nous ne pensons pas au ciel que nous voulons penser à la terre, nous sommes mal barrés. Parce que le ciel symbolise le monde spirituel. Au commencement, Dieu créa les cieux et après la terre. Qui veut dire, en toute chose, il faut commencer par le ciel, qui est les choses spirituelles. Et enfin, de concrétiser sur la terre des bénédictions. Donc, Dieu commence par le commencement, le ciel et après la terre. Donc, pour comprendre que et chaque individu, si vous voulez rentrer dans une percée pas possible, voilà, shalom de Suzanne Doté, vous devez entrer dans un mystère pas possible en composant avec, n'est-ce pas, l'élément qu'on appelle ciel. Ciel qui est la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et sans cette présence de Dieu, nous ne pouvons rien. Lui-même l'a dit, sans moi, nous ne pouvons rien. Donc, vous dites Dieu d'abord. Et les Occidentaux ont compris qu'on ne peut rien faire sur le plan physique sans le spirituel. Ils ont dû combattre les œuvres de la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans le développement aujourd'hui. Prêtez-moi pour les mots, peut-être que c'est trop fort, mais c'est un développement très sauvage. À point qu'aujourd'hui, ils vont sur la lune, à point qu'aujourd'hui, ils ont créé un téléphone portable. On peut déjà de Facebook, n'est-ce pas, voir, vous pouvez m'écouter. Attends, un développement pas possible. Voilà, pour que les gens arrivent là, ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le 18e siècle, le siècle des Lumières et de la Révolution industrielle. Donc, j'ai fait mon combat pour interpeller les gens qui pensent dire que non, les saints font des sorcelleries. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas à la sorcellerie. Mais frère, c'est un peu insensé. Si tu crois en Dieu, il faut croire que le diable existe. Il ne faut pas ignorer la présence du diable. Il y a les œuvres de Dieu. Il y a les œufs du diable. Voilà, n'ignorez pas ça. Vous dites, ah non, et puis vous allez toujours les accusateurs de Dieu par rapport à ce qui vous arrive. Non, Dieu, il a ses œufs et le diable a ses œufs. Alors, si vous croyez en Dieu, nous aussi, n'ignorez pas aussi la présence du diable. Et c'est ce que nous sommes de faire pour ouvrir l'entendement des gens, pour amener les gens à comprendre qu'ils ont besoin aussi de comprendre les choses. Et donc, il faut les ouvrir les yeux en leur expliquant si c'est un des événements qui leur arrive. Parce qu'il y a des événements de la nature, il y a des situations qui nous arrivent qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui ne viennent pas de Dieu.
et qui ont besoin d'une explication. Mais l'explication est spirituelle. Voilà, de toute façon, il y a les crimes spirituels. Enfin, il y a les crimes physiques, il y a les crimes spirituels. De toute façon, il y a l'emprisonnement physique, il y a aussi l'emprisonnement spirituel. Voilà, donc le but de l'homme sur cette terre, c'est de rentrer dans les bénédictions. Voilà, shalom à vous. Vous qui êtes sur cette chaîne télé maintenant, que vous suivez la vérité, l'heure des mystères. Shalom, le prophète Rasso. En cette date aujourd'hui, n'est-ce pas, du mardi 5 juin 2018. Nous sommes en juin 2018. Shalom à vous. Soyez bénis, énormément bénis. Recevez chez vous la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci de permettre que nous puissions bénéficier des grâces et de la bénédiction du Seigneur chez vous. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Je tenais aussi de donner un enseignement, une information de taille pour tous ceux qui, bientôt c'est l'été. Aujourd'hui, le prophète Crasso, qui est votre père spirituel, a une grande agence de communication qu'on appelle Barou Communication. Et bientôt, c'est l'été, c'est-à-dire les vacances. Vous serez, voilà. Donc, allez vous abonner sur la page. Vous allez sur Facebook, Barou Communication. C'est tout, Barou Communication, B-A. Barou Communication, B-A-R-U-C-K. Barou Communication. Voilà, et vous abonnez. Abonnez-vous. Et vous allez, pour ceux qui veulent venir en vacances, déjà, vous pouvez déjà appeler Barou Communication. Nous sommes déjà pour, n'est-ce pas, les chambres, les résidences hôtels. Ceux qui aimeraient organiser des mariages, vous appelez pendant le mois d'été. Ceux qui aimeraient du coaching, voilà, ceux qui aimeraient avoir des terres, ceux qui aimeraient beaucoup de choses, des business au niveau de la Côte d'Ivoire, appelez cette structure. Et aussi une agence de tourisme, de guide touristique, voilà, pour vous faire connaître aussi. Voilà, c'est pas aussi un péché de connaître la Côte d'Ivoire. Voilà, de connaître la Côte d'Ivoire, d'aller se balader, de connaître les meilleures plages. C'est pas un péché d'aller à la plage et de n'est-ce pas, admirer les merveilles de l'Éternel qu'on appelle la mer, l'océan. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Même si vous voulez que les gens soient possédés, se mettent par moins nus à la plage, mais c'est pas pour aller regarder la nudité des gens. Il y a des plages où on se met pas nu. Ben, c'est pour dire, il faut se balader, il faut à un moment donné t'accorder un repos et dans ce repos-là, chercher à te découvrir. Voilà, donc Barouk Communication peut vous donner cette grâce, cette opportunité de pouvoir connaître la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, avec nos guides touristiques, connaître la Côte d'Ivoire. Si vous voulez des maisons, les voitures en location, vous appelez Barouk Communication, nous avons des voitures en location que pouvons vous faire louer, n'est-ce pas. Voilà, donc que Dieu bénisse. J'ai tendance à te parler des différents groupes. C'est vrai que je suis fatigué, mais je vais aller doucement par la grâce de Dieu. Je ressors d'une fatigue, je vais aller doucement. Les différents groupes, merci déjà d'Ounu Champion qui a commencé déjà à intervenir. Vous savez, quand vous êtes dans un parti politique, il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans les partis politiques, dont les leaders en prison, mais ça ne les empêche pas de parler du leader. Hein. Ça ne les empêche pas, hein. Au risque de leur vie, au risque de leur liberté, ils parlent de leader. Donc, si vous pensez que vous êtes dans un ministère, hein, ce ministère-là qui vous éclaire, qui vous édifie, et que vous ne prenez pas le soin, n'est-ce pas, de parler et d'aider les gens pour que les gens soient sauvés au travers de ce ministère, c'est qu'il y a un problème. Il y a des gens aujourd'hui en matière politique qui n'ont pas honte, ils n'ont pas peur de s'afficher. Parce que c'est la conviction. Quand il y a une conviction, on s'affiche. Les femmes n'avaient pas peur. Même que Jésus soit mort, elles allaient toujours à la tombe de Jésus-Christ. Au risque de leur vie. Vous avez un ministère. Vous devez faire connaître le ministère autour de vous. Vous devez partager les vidéos. Et ça, c'est vraiment très important. Et que ceux qui sont des représentants dont je veux parler d'Adiara, voilà, il faut commencer déjà à faire une plateforme de ton Facebook concernant l'Angleterre. Voilà, il faut commencer déjà. Et puis, avoir une journée. Aujourd'hui, là, c'est Donny Champion qui est le coordinateur de toutes les plateformes de communication du ministère du prophète Crasso. Voilà, donc vous devez avoir, n'est-ce pas, des temps en semaine pour relayer ça. Moi, j'aurai des moments avec vous, mais Donny aussi aura ses moments, ceux de l'Angleterre aura des moments. Ben aussi, Sako, ça fait un moment, on ne le voit plus, il aura aussi un moment. Et ceux qui sont en Italie, déjà, Donny le fait, en Allemagne, on ne les voit pas, ils sont muets. Les Allemands, vous êtes muets. Vous avez fui, vous avez bori ou bien. Tout à l'heure, vous allez donner un enseignement de taille. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur la prière. Sur la prière, pour que ton sorcier ait, n'est-ce pas, cancer de cerveau et de narines.
Voilà, comment les stratégies de prière. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous donner beaucoup de stratégies de prière et tout ça. Dieu me fait la grâce de vous donner des éléments pour vous aider personnellement dans l'évolution de votre croissance spirituelle. Voilà, donc tout à l'heure, je vais revenir sur la prière. Mais pour dire, si vous êtes en Angleterre, voilà, votre plateforme, communiquez. Ouais, c'est vrai que la Suisse, ils ont une plateforme où ils communiquent, n'est-ce pas? Un forum, bon, on échange de temps en temps. Mais on aimerait que ça soit le virtuel maintenant, c'est-à-dire sur Facebook, pour communiquer par rapport aux activités du ministère. Voilà. Et il y a aussi, n'est-ce pas, l'Allemagne qu'on ne voit pas du tout. Ils sont muets du tout. Ils sont muets. Sortez, montrez-nous votre conviction. Ne vous cachez pas. Il y a déjà les politiciens aujourd'hui qu'on a mis en prison. Mais leurs sympathies, n'est-ce pas, ceux qui sont avec eux, ils ne nous ont jamais laissés. Et communiquent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Donc, ceux de l'Allemagne, vous êtes un peu muets. Bon, la Suisse, on comprend parce que je suis avec eux, mais c'est pas. Il faut. Maintenant, Angleterre, montrez-vous là. Même ceux aussi d'Abidjan, Dan Silva. Alors, mettez-vous sur les plateformes. Donc, Donny Champion sera obligé. En fait, je lui ai donné l'autorisation de coordonner, puisque c'est lui, voilà, qui coordonne tout ça. Nous savons pourquoi. Pour encadrer les enfants spirituels, les suivre, les coacher. Pour que ne soit pas tout le monde, les gens ne soient pas distants et qu'on puisse savoir, comme je disais, merci déjà pour ceux qui ont déjà soutenu le frère qu'on appelle Ludovic qui traverse un moment difficile. On aura l'occasion ce week-end sur Paris, n'est-ce pas, de lui apporter une assistance. Pour dire déjà que Dieu bénisse déjà pour ceux qui ont appelé, ce n'est qu'appelé déjà le frère Ludovic pour apporter un soutien moral, financier par rapport à ce qu'il traverse, gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est comme ça. Si nous sommes ensemble et que j'ai une information de taille, je vais la balancer et puis on va se soutenir. C'est pour cela qu'il faut se mettre dans les groupes et dans les activités. J'ai toujours dit, celui qui va se mettre en marge de ça, s'il a un problème, je ne suis pas dedans. Voilà. Parce que je vous vois, vous êtes dans d'autres groupes là-bas, vous êtes là. Non. Si vous ne vous mettez pas dans les groupes et si vous avez un problème, ça ne va pas nous concerner. Voilà, mettez-vous dans les groupes. Et pour qu'on puisse savoir quels sont ceux qui sont réellement dans le ministère, qui soutiennent le ministère, patati patata. Et comme ça, s'il y a un souci, on puisse, n'est-ce pas, vous aider déjà en matière, n'est-ce pas, d'aide spirituelle, si possible, ce qu'on pourra faire pour vous. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse pour ça. Commencez déjà à communiquer. Aïdara, commence déjà comme tu l'as fait, à Londres. Pour ceux qui sont en Allemagne, réveillez-vous. Depuis un moment, après l'Allemagne, on ne vous voit même pas. Même un dit un coucou au prophète, mais c'est impalpable. Ce n'est pas bon. Voilà. J'aime pas les gens qui ne m'amenaient pas à dire des choses. J'aime pas qu'aujourd'hui, parce que j'ai pris la peine d'observer l'homme. Les gens, ils aiment bien exploiter les gens. C'est-à-dire, ils ont besoin des gens quand ils ont des problèmes. Moi, là, si quelqu'un, c'est qui tu me fais, je te dis, hein, ils ont besoin des gens quand ils ont des problèmes. Quand on prend la peine de venir les aider, on prend la peine de les écouter. Après, ils rentrent dans les oubliettes. Ceux qui n'ont pas été en mesure de les aider, c'est vrai, là-bas, ils mettent la tête. Or, quand nous autres, nous engageons pour aller faire votre délivrance, c'est les esprits qui nous attaquent. Ça fait quoi de faire un coucou à un père spirituel? Ça fait quoi de garder cette connexion? Les gens, ils sont là justement pour un programme. Et quand. Oui, c'est important cette initiative. C'est une belle initiative. C'est pour cela que ceux qui sont aux États-Unis, mettez aussi la plateforme des États-Unis. Comme ça, s'il y a un souci directement, nous allons tous réagir. Nous faisons une annonce directement dans tous les groupes, n'est-ce pas, les différents groupes, pour dire, en signant, on alerte tout le monde, pour dire, telle personne aux États-Unis a un souci, aidez-le, aidez-la, et puis on le fait. Telle personne à Abidjan a un souci, mais bien sûr, il faut faire partie du groupe. Voilà, il faut faire partie du groupe. Il faut se faire connaître. Il faut être actif, c'est-à-dire actif, là, c'est-à-dire, il faut partager les vidéos, il faut soutenir le ministère. Et quand il y a un truc, il faut participer. Et justement, parce qu'aujourd'hui, je veux savoir réellement quels sont ceux qui font partie du ministère. C'est vrai qu'on n'a pas des églises partout dans le monde, mais on peut se rassembler déjà sur un plateau. Aujourd'hui, avec Facebook, on peut avoir des groupes, on peut déjà communiquer. Ce n'est que ça. Échanger d'idées, partager beaucoup de choses ensemble, se connaître, être ensemble et former une famille. Voilà, donc c'est pour cela que c'est vraiment important de se mettre dedans. Voilà. Si vous ne me mettez pas dedans, si vous avez un souci, ça ne concernera pas le ministère. Nous sommes en plein recensement pour savoir quels sont ceux qui font partie, n'est-ce pas, du ministère. Et voilà. Maintenant, s'il y a un souci, on pourra aider tout le monde. Voilà. Donc, que Dieu bénisse ceux du Canada aussi. Le Canada, ils sont un peu mieux.
C'est vrai, Paulin, c'est Paulin qui coordonne ça. Shalom à lui, sa femme. Bon, Raoul aussi. J'ai dit shalom aussi à Raoul de passage. Voilà. Binta aussi. Merci Binta, depuis le Canada. Tous ceux du Canada, c'est très bientôt. Voilà, ne vous inquiétez pas, très bientôt. Vos histoires là, quand on amène papier à l'ambassade, ça fait 2 semaines. C'est ça un peu mon problème avec vous. Voilà. Mon papier là, vous allez bloquer pendant 2 semaines le papier le passeport du maréchal. Il fait comment pour voyager? Bon, on attend de résoudre ça. Très bientôt, une délégation sera au Canada pour une réunion, chez une réunion de mise à point et puis lancer la date. Oui, l'Angleterre, c'est bientôt. Une délégation sera aussi en Angleterre, mise à point pour lancer. Pour que d'ici quelques temps, on puisse se connaître entre les enfants spirituels. On sait quel enfant spirituel. C'est comme une église basée en Angleterre. Donc voici les fidèles sur les plateformes. En Canada, voici sur les plateformes. N'est-ce pas? Les États-Unis, voici ceux qui sont là-bas. N'est-ce pas? En Italie, voici ceux qui sont en Italie. Voici ceux qui sont en France. France aussi. Hey, France. 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 Francine. France. C'est vrai, il y a beaucoup de vrais enfants spirituels. Mais je tire le chapeau à Très. Vivant très. Je me rappelle que la dernière fois, c'est tout à fait normal, quand les gens me vilipendaient, c'est la seule que j'ai vue. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont fait des vidéos, hein, même Donny Champion ont fait des vidéos, mais je vais parler de la France. Je vais parler de la France. Donny a fait des champions. Il y a beaucoup qui m'ont soutenu. J'ai dit merci. Mais voici une dame qui a fait un direct, une de mes filles très, vivant très, et qui a commencé à communiquer. Parce que c'est vrai. Les gens, ils ne savent pas que je suis. Voilà, ils ne savent pas. Nous sommes à l'ère de la communication. Les gens, ils veulent, n'est-ce pas, troquer la vérité. N'est-ce pas, présenter celui qui est bon comme un diable. Or, ce n'est pas ça. Donc, la sœur Très Viviane, elle a commencé à communiquer. Voilà, donc désormais, Très Viviane, on va te donner cette grande responsabilité, comme tu sais bien le faire, ouais, avec deux nouveaux champions, pour que déjà, en semaine, nous puissions déjà commencer les plateformes de communication pour les enfants, parce qu'il y a des plateformes où vous devez faire des directs. Donc, en fonction de votre temps, c'est une manière aussi de servir Dieu. Vous devez servir Dieu à votre manière. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, je veux rassembler tous les enfants spirituels et après de pouvoir les aider. Si un enfant a des soucis, directement, c'est moi. Je suis obligé, dans l'obligation, de me dépêcher et aller aider cette personne. Voilà. Sur ça, je suis en Belgique. Nous devons avoir quelqu'un qui va prendre la relève pour communiquer si la page forme les gens de Bruxelles, vous comprenez, de Belgique. Donc, au fur et à mesure, nous aurons des plateformes, des enfants spirituels au fur et à mesure, et comme ça, on aura l'occasion de se connaître entre nous-mêmes, afin que je puisse apporter une aide, si possible, une assistance spirituelle. Je dois aider, vous écouter, il n'y aura pas de protocole. Voilà, il faut qu'on puisse se connaître. Ça, c'est vraiment très. Nous sommes nombreux, mais aussi, on doit se rassembler. Et puis se connaître. Donc, juste en train de communiquer un peu aussi le fait que bientôt, Donny Champion va commencer à sensibiliser les gens sur beaucoup de choses. Vous voyez, la soeur qui m'a invité chez elle, c'est une de mes filles spirituelles avec trop de problèmes. J'ai trop bien parti là-bas, détruire ce qui devait être détruit. Au fur et à mesure, je vais arriver. C'est là que mettez-vous dans le groupe pour qu'on puisse arriver chez vous. Pour que j'aie cette force de venir chez vous à la maison. Si on est ensemble, ça marchera. Voilà. Voilà, donc que Dieu bénisse. Avant d'enseigner la prière, n'est-ce pas, je pense qu'on est déjà prêt pour écouter certaines choses. Écoutez très bien. J'espère qu'on est déjà prêt. Je vais vous donner d'abord quelque chose de très important. Parce que par moments, les gens, ils disent qu'ils sont chrétiens, ou bien ils croient en Dieu, n'est-ce pas, c'est bien, ils croient en Dieu, patati patata. Non, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Vous allez voir, croyance en Dieu, là, c'est quoi? À moi de venir, c'est l'enseignement de la prière qui est vraiment très important parce que beaucoup de personnes m'ont demandé comment prier pour être exaucé. Quelles sont les stratégies de combat qu'on doit mettre en place quand j'ai une souffrance? C'est ce que j'ai développé pendant une période de 4 à 5 jours. Voilà donc. Mais je suis en train d'introduire quelque chose de très important parce que la croyance, c'est quoi? Vous prenez Jacques. Vous allez dans le livre de Jacques. Vous partez dans le livre de Jacques, le chapitre 2. Vous allez dans le livre de Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 14.
n'est-ce pas? Jusqu'au verset 26. Jacques, le chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Donc, je tenais aussi à vous dire, il y a aussi un grand programme ce week-end-là à Paris, Vitry-sur-Seine, quelque chose de très balèze. T'imposer les mains, s'il y a des gnani-gnani dans ta maison, c'est comme un GPS, on détruit ça par la grâce de Dieu. Voilà, il y aura aussi des entretiens pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et tout ça, c'est moyennement quelque chose. Voilà, on m'a demandé, est-ce que ceux qui participeront vendredi auront l'occasion de revenir samedi? Oui, c'est possible. Voilà. Voilà, mais c'est moyennement quelque chose. On vous demanderait une participation par rapport à la salle. Ne boudez pas, parce que la salle, ce n'est pas pour moi. On vous demanderait une participation par rapport à la salle. Voilà. On vous demandera, n'est-ce pas, de participer. Voilà, de participer. De participer. Vous comprenez? On vous demandera de participer. Voilà, donc vendredi 8, à partir de 20h. 20h, nous allons démarrer un programme à Vitry-sur-Seine et nous allons aussi démarrer à partir du samedi aussi, 20h. Pratiquement, nous allons prendre toute la nuit. Ce programme, comment ça se passe? Nous allons recevoir des gens, prier pour eux, les écouter. Prier pour eux, les écouter. Et je tenais aussi à dire merci aussi à Mélanie. Voilà, Mélanie, pour sa la force, pour son soutien. On était à Bruxelles. Elle a vu, j'étais fatigué. Elle a dit, ah, papa, il faut venir, tout. J'ai dit, ok. Je suis parti dans la salle. Après moi, elle était fatiguée. C'est-à-dire le lendemain, là. Quand on partait manger dimanche, là, le sommeil l'a pipé. Le sommeil dit, crédit, tu as pris, là. Il faut rembourser ça. Ce n'est pas ton camarade, Donc, on lui demande de venir, elle dit, elle est fatiguée. On a envoyé le repas. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a eu envoyé le repas pour lui dire, sommeil, là. Quand il vous dit, Fatih, ce n'est pas camarade de quelqu'un, tu as vie dans pour toi aussi. Voilà, donc, du courage, courage à toi, ce n'est pas facile, l'œuvre de Dieu, mais beaucoup de courage. Nous partons de la parole de Dieu, n'est-ce pas, de Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 14. N'est-ce pas? Écoutez bien, très bien. Pour ceux qui ont déjà la Bible, ceux qui n'ont pas, écoutez, si vous voulez, lisez. Voilà, lisez. Voilà, écoutez, notez. Vous pouvez aussi acheter une Bible aussi pour chercher à vous cultiver. À voir. On dit, frère, que sert-il à quelqu'un de dire qui a la foi s'il n'a pas des œufs? Celui qui, cette foi peut-elle le sauver? Point d'interrogation. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, n'est-ce pas? Et que l'un d'entre eux vous leur dites, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Point d'interrogation. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œufs, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas des œufs, elle est morte en elle-même. Le verset 8. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œufs. Montre-moi ta foi sans les œufs et moi, je te montrerai la foi par mes œufs. Le verset 19, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œufs est inutile. La foi sans les œufs est inutile. Le verset 21, on dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œufs lorsqu'il offrait son fils Isaac sur l'autel? Si tu vois que la foi agissant avec ses œufs et que par les œufs fut plus rendu parfait. Voilà, le verset 23 dit, ainsi s'accomplit ce que dit les indiscutibles. Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice car il fut appelé ami de Dieu par ses œufs, vous comprenez? Car vous voyez que l'homme est justifié par les œufs et non pas par la foi seulement. L'homme n'est pas justifié par les œufs
Par la foi seulement. Voilà. Donc on dit, Rabat, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle a fui partie par un autre chemin? Très bien. Vous voyez, la Bible est claire là-dessus. Le frère, l'apôtre Jacques, parle à l'église, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi. La foi, c'est quoi? C'est la croyance en Dieu. Ce n'est pas le foie. Le foie, c'est un organe qui est dans le corps humain. La foi, c'est une confiance totale qu'on a en Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on a une confiance en lui. On sait que Dieu existe. On dit, mais regardez ce que la Bible nous fait ressortir. Beaucoup sont ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. Beaucoup. Si je posais une question tout de suite, vous allez répondre, tout le monde allait répondre unanimement, oh non, je crois en Dieu, n'est-ce pas? Je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu. Et ça, vous allez le répondre, vous allez le dire, sans problème, sans difficulté, c'est ce qui est vrai. Vous savez qu'il existe. Oh non, moi je sais que Dieu existe, je ne sais pas le diable, je ne sais pas le diable, je ne fais pas ce que le diable fait, je crois en Dieu totalement. Ça, tout le monde dira ça. Vous comprenez? Maintenant, regardez la question. On dit, mes frères, que sait-il? On dit, mes frères, que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œufs? Que cette foi peut-elle le sauver? C'est-à-dire, toi tu dis que tu as la foi. Maintenant, où sont les œuvres de ta foi? Tu as me dit, mais c'est quoi les œuvres de la foi? C'est quoi les œuvres de la foi? Tu me poseras la question tout à l'heure. C'est quoi les œuvres de la foi? Vous comprenez? Or, la Bible dit, les gens qui viennent insulter le prophète, si ma plateforme, c'est une provocation, c'est vrai que je ne ose pas, mais c'est une provocation, c'est ma plateforme, c'est moi, ma page Facebook. Voilà. Donc, si tu ne crois pas en ça, tu restes chez toi. Parce que quand tu vas quitter chez toi la maison, venir insulter quelqu'un, ce qu'on appelle une violation à domicile. Et c'est mal poli. C'est mal poli de venir insulter quelqu'un sur sa plateforme de Facebook. Et tu ne connais pas le prophète Crasso, ça dit que toi-même, tu es un diable en personne. Vous voyez? Ça dit que c'est mal poli, c'est mal éduqué. C'est parce que vous êtes très mal poli, mal éduqué. Je suis sur ma page Facebook. Si ça ne t'intéresse pas, tu n'as pas oublié d'écrire. Tu vas ailleurs. Tu vas carrément ailleurs. Tu ne t'intéresses pas à ça. Tu n'as pas Facebook. Je ne peux pas aller écrire sur un compte Facebook. Voilà. Parce que je suis bien éduqué. Je suis très bien éduqué. Ça ne m'intéresse pas la vie de quelqu'un. Ça n'engage que lui. Aujourd'hui, chacun est libre. Je suis libre. C'est ma page Facebook. Ce n'est pas ton père qui m'a dit de faire ça. Je ne suis pas chez ta mère. Je ne suis pas chez ton père. Je suis sur ma page Facebook en train de communiquer. Voilà. Donc, si moi, je ne sais pas qui tu es, je ne suis pas aussi en guerre avec toi, mais le venir m'insulter, c'est mal poli. Ça veut dire que tu as reçu une très mauvaise éducation. Tu es très mal poli. Et ceux qui le font sont très mal polis, ils sont mal éduqués. Et moi, quand je suis très bien éduqué, je te fais justement comprendre que c'est une morale. Je m'occupe d'eux un peu. Laissez-moi parler un peu d'eux. Je m'occupe un peu d'eux, puis je reviens dans l'enseignement pour dire qu'ils sont mal éduqués. Et c'est mal éduqué parce que quand tu es bien éduqué, tu n'oses pas insulter quelqu'un. C'est sans dire un jeu public. Tu ne feras pas ça. Parce que moi, je ne peux pas. Je suis en train de prêcher l'évangile du Seigneur. Tu ne peux pas venir en plein de Facebook en train de faire. Si ça ne t'intéresse pas, tu n'as pas bien écrit. Va ailleurs. Va te faire connaître ailleurs là-bas. Voilà, donc c'était justement une mise en point. Celui qui va commencer à nous attaquer sur Facebook, tous les enfants doivent répliquer. Parce que ça, c'est ma page Facebook. Voilà. Ça, c'est ma page Facebook. C'est pas la page Facebook de quelqu'un. Si tu viens communiquer ici, tu m'insultes. Si tu veux m'insulter ici, ça veut dire que c'est une provocation. C'est ce que j'ai dit aux gens. Ça veut dire qu'il me provoque. Il ne t'a pas oublié d'écrire. Puisque ça ne l'intéresse pas, qui est chez lui? Voilà. Tu n'as pas oublié d'écrire. Mais quand tu viens insulter quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'injure publique. Quand tu viens écrire à quelqu'un, tu l'injures publiquement, c'est un délit. Dans la loi, on peut aujourd'hui, avec le cybercriminalité, on ose autrement insulter quelqu'un. Je suis en train de prêcher l'évangile. Si toi, ça te dérange, ça veut dire que tu es possédé, tu es un agent du diable. Tu as oublié de m'insulter. Mais je comprends ton éducation, tu es mal éduqué. Moi, je suis quelqu'un, je suis très bien éduqué, je n'ose pas. C'est parce que tu as fait une violation, tu es venu sur ma page pour truc. Si je m'étais, tu vas comprendre, tu vas penser que, voilà, donc je te réponds. Je te réponds pour dire, ta manière d'être mal éduqué là, ça veut dire que tu as un esprit du diable en toi. Nous sommes très bien éduqués.
Voilà, nous sommes très bien éduqués. Excusez-moi pour ce langage, pour ceux qui m'ont écouté plus tard cette vidéo, sur le YouTube, pour dire que je suis en pleine prédication et les gens osent le faire, m'insulter. Mais attends, je suis sur ma page Facebook. Voilà, et je suis libre de prêcher sur ma page Facebook. En quoi ça te dérange? Parce que je n'irai pas chez toi là-bas pour t'insulter sur ta page Facebook. Parce que je suis bien éduqué. C'est comme si tu quittes chez toi et tu vas insulter une personne chez elle à la maison. C'est une violation à domicile. Page Facebook, c'est comme chez moi. Parce que ça porte mon nom. C'est mon compte Facebook, c'est mon nom. Facebook reconnaît, c'est mon identité. Et toi, tu viens chez moi m'insulter, c'est mal poli. Voilà, donc c'est enfant du diable. Nous savons très bien que ceux qui sont derrière vous, vous êtes les enfants du diable. Je poursuis l'enseignement. Marley, que Dieu te bénisse. Voilà, Marley, Camara, Dieu te bénisse. Voici les filles. Voilà, donc, le feu sur vous, et vous irez en enfer, région votre papa Satan. Vous irez en enfer. Parce que l'injure, c'est un péché. L'injure publique, c'est un péché. Et c'est dangereux d'attaquer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on appelle injure publique. C'est dangereux de le faire. Voilà, ça prouve qu'en vous, il y a un esprit de mal. Et vous voulez toujours détruire. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous avez un esprit de mal en vous. Que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ça vous énerve. Vous voyez, moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Même si quelqu'un est dans il est en train de faire quelque chose, ça ne va jamais réveiller le mal en moi. Au contraire, j'aime m'apaiser, aller l'aider. Mais vous, quand quelqu'un est là, il entend de parler de Dieu. Et ça vous énerve. En quoi ce que j'ai fait là peut t'énerver? En quoi? Ça t'énerve comment? Pourquoi? Ça veut dire que ce qui est en toi là est dérangé. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Voilà, sur toi. Vous cherchez malédiction, cadeau, vous allez avoir. Voilà, donc je poursuis l'enseignement. Voilà, je ferme la parenthèse et puis je poursuis. Celui qui vous fait dire des choses, répondez-lui parce que vous n'avez que cette plateforme, n'est-ce pas? Vous n'avez que cette plateforme. Voilà. Vous n'avez que cette plateforme. Celui qui parle, donnez-lui une droit de réponse là-bas. Voilà, maintenant on va parler. Donnez-lui une plateforme. Parce que c'est chez moi. Mon Facebook, c'est chez moi. Mon Facebook, c'est chez moi. C'est ma page Facebook. Tu as pour toi. Reste chez toi. Je suis en train de prêcher. Si je prêche, que ça te dérange, c'est que tu as un problème. Parce que c'est chez moi. Pourquoi ce que je fais, ça te dérange? Ça veut dire que ce qui est en toi est mauvais. Tu as envie de manifester en toi une colère, une haine. Comment vous pouvez manifester une haine pour insulter quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous avez cette haine. Moi, je n'ai pas ça en moi. J'ai l'Esprit Saint. C'est l'esprit d'aider les gens qui m'animent. Voilà. Donc, on va vous donner droit de réponse. On va vous donner des droits de réponse. Je vais répondre, ma fille. Je vais les répondre. On va les répondre. Quand quelqu'un vient te provoquer chez toi à la maison, que tu fais rien, ça ne veut pas dire que tu es impuissant, mais il faut lui donner un droit de réponse pour lui faire une morale. Donc, on poursuit. Voilà, pour dire, regardez, la Bible dit, il dit, mes frères, dans Jacques le chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26, on parle de la croyance. La croyance. Mais souvent, la Bible, il faut répondre l'insensé selon sa folie. Écoutez, n'indiquez pas seulement qu'on répond l'imbécile par le silence. Proverbe nous dit, répond l'insensé selon sa folie. Comme il est fou, là, c'est comme ça qu'on lui répond. Il y a un verset biblique qui dit dans Proverbe, répond l'insensé selon sa folie. C'est-à-dire l'imbécile, là, faut le répondre avec une imbécilité. C'est un verset biblique dans Proverbe. Il dit, répond l'insensé selon sa folie. Voilà, donc j'ai donné un verset biblique. Ce qu'il a fait là, j'ai répondu publiquement. On dit un insensé, il faut le répondre selon sa folie. Voilà, parce que je suis chez moi tranquillement, tu viens m'insulter, ça veut dire que je dois te répondre. Voilà, je dois te répondre pour dire, frère, tu penses que tu es libre de dire ce que tu veux, mais ça a des limites, hein? Chacun est chez lui. Tranquille, voilà. Voilà, donc on poursuit l'enseignement. Bonsoir, bonsoir, shalom à vous. Aujourd'hui, on a trop d'éléments de Satan sur les pages, les réseaux sociaux qui veulent embrouiller. Ben, je ferme la parenthèse, puis je poursuis la lecture. On dit ici, dans Jacques, le chapitre 1, le verset 14, chapitre 2, le verset 14 au verset 26. On dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il y a la foi s'il n'a pas des œuvres? Cette foi peut-il le sauver? C'est la question à poser. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, il n'a pas des œuvres, est-ce que ça peut le sauver? C'est le point d'interrogation. Voilà, c'est le point d'interrogation.
Cette foi peux-tu le sauver? Si, il dit, le verset 5, 15 dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, hein, si et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, en quoi sert-il? Et s'il y en est ainsi la foi, si elle n'a pas des œufs, elle est en elle morte. Ça veut dire que si toi, tu dis tu crois en Dieu et que tu n'as pas des œufs, la Bible dit que cette foi, elle est morte. Le verset 17 de Jacques, le chapitre 2, on dit ici, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œufs, elle est morte. Ça veut dire que ta foi d'être ajoutée des œufs. Par exemple, tu as foi en Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour aider? La foi est spirituelle, mais il faut que cette foi soit accompagnée par des œuvres. C'est pour cela que le prophète Crasso, là, il a la foi en Dieu. Il a décidé d'aller prouver avec des œuvres en construisant un orphelinat. La Bible dit, si tu as la foi en Dieu, que tu n'as pas des œuvres, elle est morte. Vous avez la foi en Dieu. 7. Tu as la foi en Dieu. Tu dis que tu es croyant. Je crois en Dieu. Je respecte Dieu. Oh non, Dieu est merveilleux, je respecte le Seigneur, j'obéis à ses commandements. Mais où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? La Bible dit qu'au-delà de la foi que tu as, il y a des œuvres qui doivent se manifester. C'est pour cela que quand tu dis que tu as les œuvres, tu as la foi, mais si tu n'accompagnes pas ça avec les œuvres, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de manifestation d'œuvre dedans. Mais elle est morte ta foi. Elle n'a pas de vie ta foi. Beaucoup sont ceux qui sont comme ça. Ils ne viennent que par intérêt. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont croyants. Mais ils n'ont pas d'œuvres. Ils n'ont pas des œuvres qu'ils accompagnent dans ce qu'ils font. C'est pour ça que par moment, Dieu n'approuve pas ce que vous faites. Vous criez le feu. Le feu. Satan. Le feu, je brise. Le feu ne brûle même pas le sorcier. Aucune prière ne monte au ciel parce que la foi que tu as n'est pas accompagnée des œuvres. Un bon croyant, sa croyance doit être accompagnée par les œuvres. C'est pour ça que je me suis levé un matin pour accompagner ma foi des œuvres. Quelqu'un a faim, tu ne lui donnes pas à manger. Les enfants sont des enfants orphelins. Vous avez aujourd'hui. Les gens disent, on nourrit les orphelins et les veuves. Vous savez très bien que votre père spirituel est un orphelinat. Ce n'est pas à lui de parler. Vous savez très bien. Et ça ne vous dit rien. Vous savez aujourd'hui où devez aider l'orphelinat. Vous savez très bien que la Bible dit, aider les veuves et les orphelins. J'ai un centre d'orphelinat. Il y en a un orphelinat là-bas. Et vous, ça ne vous dit rien. Et toi, tu dis, tu as la foi. J'ai la foi. On dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Jacques, le chapitre 2, le verset 17. Tu as la foi en Dieu. Où sont les œuvres? Les gens ont faim. C'est comme aujourd'hui. Vous refusez de soutenir les gens qui sont dans les difficultés. Vous refusez de vous investir dans l'œuvre. Souvent, je regarde les gens. Il n'est pas que d'eux. Ils sont égoïstes. Il n'est pas que d'eux. Il faut que eux seulement, c'est eux, Dieu n'a qu'à s'occuper d'eux. Oh, ils sont malades. Oh, les sorciers les attaquent. Oh, j'ai senti que les sorciers. Les sorciers sont là. J'avoue toujours les sorciers. Il est venu dans ma chambre. La foi sans les œuvres. C'est-à-dire, toi, tu ne penses qu'à toi. Mais Dieu va te regarder. À quoi sert à quelqu'un d'avoir la foi s'il n'a pas des œuvres? À un moment donné de la vie de Jésus-Christ, il a manifesté les œuvres. Les gens avaient faim. Jésus n'a pas prié pour qu'il y ait des morceaux de boules de pain ou même des boules d'akéké mélangées du poisson thon dans l'estomac des gens. Ou même prier pour les gens pour que le garba verse et le poisson thon dans leur ventre. Ou même du placali et du polo dans le ventre des gens qui étaient plus de 5000 personnes qui attendaient. Fin, les disciples renvoyaient-les. Et Jésus-Christ, comme il sait que la foi sans les œuvres, elle est morte, Jésus-Christ
manifeste-le en prenant le pain et le poisson, multiplie leur don à manger. Frère, tu es croyant? Où sont tes œuvres? Vous pouvez tout dire du prophète Crasso. Mais frère, c'est les œuvres. On dit que vos œuvres demeurent. Que vos œuvres demeurent. Où sont les œuvres? Tu as la foi, moi j'ai la foi, je suis bon croyant. Il y a les gens qui disent toujours ça. Ils ont toujours besoin. Ils sont eux qui sont croyants. Qui sont eux. Mais où est ça même? Où ça est? Où c'est? Où est ta croyance? C'est pour ça que quand vous recevez, vous avez toujours des problèmes financiers. Toujours parce que c'est de l'égoïsme. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui est nu, qui a besoin d'être vêtu, et puis il vient chez vous, et vous ne lui donnez pas à manger, vous ne lui donnez pas des vêtements. Ben c'est grave, et c'est de la sorcellerie. Vous comprenez? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu n'as jamais réfléchi un instant, mais c'est de la sorcellerie. Un homme de Dieu. Regardez. Allons-y dans Galates. Allons dans Galates, s'il vous plaît. Allons-y dans Galates. Dans Galates 6, le verset 6. Allons dans Galates 6, le verset 6. Allons-y dans Galates 6, le verset 6. Nous reprenons tous la Bible. Allons dans Galates 6, le verset 6. Allons dans Galates 6, le verset 6, avant de revenir encore dans le chapitre qu'ils sont en train de développer. Galates 6, le verset 6, nous disons la parole de Dieu. On dit, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens en celui qui l'enseigne. » Écoutez très bien, je reprends le verset. Galates 6, le verset 6. Galates après, bon, vous partez dans Jean, après Jean, l'évangile de Jean. Vous tombez dans Actes des Apôtres. Après Actes des Apôtres, Romains. Après Romains, vous avez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Après 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, après 2 Corinthiens, vous tombez dans Galates. Mais Galates, le chapitre 6, le verset 6 nous dit ici, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire qu'en temps normal, le prophète Crasso qui est en train de vous enseigner, normalement, vous devez le soutenir. Si moi je vous enseigne la parole de Dieu et qu'en retour, vous n'êtes pas en mesure de soutenir mon ministère, c'est une forme de sorcellerie. Mais c'est un verset biblique. Quand on dit péché, là, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Je prends mon temps. Vous regardez sur Facebook, vous regardez sur YouTube, vous prenez votre temps en temps de regarder sur YouTube les enseignements qui vous font du bien, vous êtes édifiés. Mais je vous enseigne. Vous faites quoi après? Que celui qui enseigne. Le verset Galates 6, le verset 6. Que celui qui enseigne, que celui à qui l'on enseigne la parole, c'est-à-dire si je vous enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. D'ailleurs, on dit c'est grave, on dit fasse tous ses biens. C'est-à-dire qu'il faut contribuer à l'avancement, il faut soutenir celui qui te prêche l'évangile. C'est devoir de mémoire, je suis en train de vous rappeler. Pour dire en un mot, quand tu dis que tu es croyant, et que tu dis que tu crois en Dieu, et que tu ne manifestes pas d'œuvre, il n'y a pas d'œuvre dans ce que tu fais, frère, ta foi, elle est morte. Ta foi, elle est morte. Il n'y a pas d'œuvre dans ce que tu fais. Tu manifestes la foi, mais où sont les œuvres? On dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous comprenez? La foi par mes œuvres. Parce que la foi produit les œuvres. La foi produit les œuvres. Si tu as foi en Dieu, tu dois produire cette œuvre en payant le prix pour montrer à Dieu que tu l'aimes par les œuvres que tu poses. J'aime le Seigneur. C'est cela que chaque fin du mois, si mon salaire, c'est ce que je gagne, j'investis dans l'œuvre de Dieu. J'aime le Seigneur. J'ai foi en Dieu. Alors, ma foi manifeste les œuvres. Comme je ne vois pas Dieu et que j'ai la foi en Dieu, comme il a son œuvre, c'est son œuvre. Ma foi, là, doit manifester les œuvres. Chaque fin du mois, je donne aux œuvres
et je soutiens mon père spirituel dans ce qu'il fait. On dit, parle-moi de ta foi, et moi, je te parlerai de ma foi et des œuvres. Sauf ça qu'il y a une différence, ce n'est pas de l'orgueil. Les gens, ils parlent beaucoup, mais moi, je dépense plus d'un million et près par mois en train de nourrir les orphelins. Mais c'est pour cela que Dieu ne vous bénit pas. Vous avez foi en Dieu, mais où sont vos œuvres? Où sont vos œuvres? Où sont vos œuvres? Le verset 19, peut-être qu'il va te choquer. On dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils tremblent. Ça veut dire que les démons même, là, ils savent que Dieu existe. Hein? Mais les démons ne peuvent pas faire des œuvres. Parce qu'en eux, il n'y a pas de bonnes choses. Les démons ne peuvent pas produire des œuvres. Parce qu'en eux, il n'y a pas de bonnes choses. Les démons eux-mêmes croient que Dieu existe. Mais ils tremblent parce qu'ils ne peuvent pas faire des œuvres. Un démon ne peut pas produire des œuvres. Parce qu'en lui, il y a des mauvaises choses. Or, si tu penses que tu aimes Dieu et que tu en toi es bon, frère, ça veut dire que tu dois produire les bons fruits. Depuis quand un arbre qui est mauvais produit de bons fruits, on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est à partir des fruits qu'on dit, ah oui, c'est un manguier, parce qu'il produit les mangues. Tu aimes Dieu? Où sont tes œuvres? Oh, je crois en Dieu, je crois en ce Dieu. Même le démon, il croit en Dieu. Mais il tremble parce qu'il n'a pas d'œuvres. Le démon ne s'est pas pardonné. Le démon, il est là pour détruire les méchants. En lui, c'est la haine, la destruction. La haine et la destruction. Quel est ton apport? Tu aimes Dieu. Tu as la foi en Dieu. Tout le monde le dit. Où sont les œuvres? Où sont les œuvres? Or, la Bible dit que nos œuvres nous suivront. C'est ce que tu fais sur cette terre qui va t'accompagner. La Bible dit une chose, on dit, Abraham, notre père, fut pas justifié par les œuvres. Il fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. C'est-à-dire, c'est Abraham, c'est-à-dire, c'est le sacrifice d'Abraham. Parce qu'il croyait en Dieu. Dieu lui a demandé quelque chose, une œuvre. Donne-moi Isaac. Il a offert Isaac. C'est cette œuvre-là qui prouve qu'il aime Dieu. Parce qu'il a posé un acte. Il a foi en Dieu. Mais il y a eu des œuvres. Moi, j'ai foi en Dieu. C'est quand Dieu m'a dit, va vendre ta voiture pour construire l'orphelinat, je l'ai fait. Et moi, Dieu m'a dit, vide ton compte. Vide cet argent-là. Mets ça dans la construction pour aider les enfants en difficulté. D'ailleurs, moi-même, là, j'ai quoi? J'ai dit le jour. Tout l'argent que j'ai, ça ne rentre que dans les œuvres sociales. Scolariser les enfants en difficulté, aider les veuves, les orphelins, avancer l'œuvre de Dieu, mettre ça en temps de donner pour l'œuvre de Dieu. Souvent, même souvent, mon propre argent, je prends pour payer la main. Le temps. Parce que j'aime Dieu. Donc, je manifeste les œuvres. Tu aimes le Seigneur? Où sont tes œuvres? Non, j'ai foi en Dieu. Mais où sont les œuvres? Car la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est pour ça que ta foi, Dieu ne trouve pas utile ta foi. Elle est morte parce que tu n'as jamais osé faire quelque chose en manifestant les œuvres pour la gloire du Seigneur. La foi sans les œuvres, elle est morte, frère. C'est pour cela que, frère, ne soyez jamais, ne resterez jamais indifférent face à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, ils sont là, hein? Ils n'ont jamais pensé un instant que quand Dieu vous fait rentrer dans un ministère, c'est pour soutenir ce ministère. Hein? Ben oui. De toute façon, vous voulez toujours prier pour moi. Prie, prophète, papa, prie pour moi. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu fais? Dieu t'a envoyé aussi dans le ministère pour le soutenir. Dieu t'a envoyé aussi dans le ministère pour soutenir son ministère. Ben oui. C'est ça, frère. Tu es dans le ministère, c'est pour soutenir le ministère. C'est pour soutenir le ministère. Toujours, c'est pour vous qu'on doit prier. Toujours, c'est pour vous qu'on doit prier. Mais le jour, ça n'est pas que même donner là, faire un don, soutenir l'œuvre là. C'est une prière. Le fait que tu penses que tu donnes, mais c'est la foi avec les œuvres, Dieu sera dans l'obligation de te bénir.
Il sera dans l'obligation de te bénir. Ah, je n'ai rien. Mais Abraham avait quoi? Abraham l'avait quoi? Il avait qu'un fils unique. Dieu me l'avait conduit. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique. L'unique qu'il avait. C'est vous qui raisonnez toujours. Moi, j'ai quoi? J'ai quoi parler concernant l'orphelinat? Mais l'amour de Dieu, la foi en Dieu m'amène à produire les œuvres. C'est tout. Ce n'est pas qu'on est dans l'abondance, mais qu'on aime Dieu, on est toujours prêt pour les œuvres. On est toujours prêt pour investir pour Dieu. On est toujours prêt pour investir pour Dieu. J'ai créé une société à base de rien pour créer de l'emploi aux gens, pour qu'ils puissent travailler. Avec nos idées, je donne l'emploi aux gens. Je suis toujours prêt à investir dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu as la foi. Montre-moi tes œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu penses que tu pries en langue, tu as jeûné, tu as fait tous les 40 jours de jeûne, tu as fait tous les jeûnes qu'il faut, tu as fait tout ce qu'on a fait de jeûne. Tu as fait, tu as prié toutes les nuits, tout ce que tu peux faire. Mais ta foi là, où sont ses œuvres? Le jour où Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac, il a donné Isaac. Il n'a pas discuté. Le jour, ce n'était pas facile. Il y a quoi? Mais je me suis investi dans l'œuvre de Dieu. Les gens, ils parlent. Dieu m'ouvre les portes. Parce que quand tu poses un acte, il t'ouvre les portes. J'ai fait le tour du monde aujourd'hui. Je n'ai pas une porte d'un pays qui m'est fermée aujourd'hui. Il vient des villages. Je ne suis pas à Paris pour discuter. Moi, je ne suis pas à Paris. Je ne suis même pas à Abidjan. Je suis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais dans l'intérieur de la Côte d'Ivoire, j'ai démontré ma foi et les œuvres. Construire un grand bâtiment comme ça. Je n'ai jamais vu même à l'intérieur. Même à Abidjan, il n'y a pas un orphelinat comme ça. D'autres, ils font cotiser les gens. C'est tellement simple. Elle dit, me demande comment envoyer pour l'orphelinat. Vous appelez le secrétariat de Divo. C'est trop simple. 00225 47 07 23 28. Pour Divo, ils vont me donner le comptable. Il donnera le nom du comptable. C'est fini. Vas-y, c'est pas moi qui gère. Tu m'as donné aussi ton offrande. Gloire à Dieu. Ça va me fortifier pour prêcher l'évangile et pour attaquer la sorcellerie. Si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, appelle Divo 00225 47 07 23 28. Vous appelez. C'est fini. Vous mettrez en contact avec le comptable. On me fera le retour parce qu'on a la liste des donateurs. On a la liste des donateurs. Toi, tu dis tu aimes Dieu. Tu as la foi en Dieu. Tu es servant de Dieu. Je suis d'accord. Tu es attendant de Dieu. Je suis d'accord. Tu es général. Tu es maréchal. Tu es temps. Je suis d'accord. Montre-moi tes œuvres. Montre-moi. Montre-moi. Moi, aujourd'hui, je peux me lever pour dire j'aime le Seigneur. Voici les œuvres. Voici les œuvres que j'ai faites pour le royaume de Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, cette foi l'accompagne des œuvres. Tu as envie de toujours aider. Tu as envie de faire quelque chose. Moi, quand vous venez à moi, là, je n'ai jamais crié. Hein, non, donnez-moi vos dîmes. Oh, la Bible nous dit, celui à qui on enseigne l'évangile, là, celui qui t'enseigne, là, comme vous recevez mon enseignement ici, et puis vous bénéficiez de mes prières sur YouTube, vous voyez mes enseignements, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a aidé. Donc moi, j'ai le droit, vous avez ce devoir de soutenir mon ministère. Mais je n'ai jamais fait des saints à page. Galates 6, allez lire ça. Quand vous voyez dans Galates 6, le verset 6, vous comprenez que celui à qui on enseigne l'évangile doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. On vous délivre, c'est dans d'autres ministères qui vous intéressent. C'est par ailleurs, vous envoyez vos soutiens. Ça veut dire, nous, quand on éveille des démons de sorcellerie sur toi, quoi. Comme nous, on ne connaît pas offrande, on ne connaît pas dîme, on ne connaît pas ça. C'est d'autres, tu dois bouffer. Tu deviens sorcier ou bien, c'est de la sorcellerie. Tes grands frères de Bayoufoué ou bien. Voilà, c'est la vérité.
Moi, je prends mon temps, je vous enseigne. Je vous montre les révélations de l'aurore. Est-ce qui t'a enseigné ça? Qui t'a une fois enseigné l'aurore? Qui t'a une fois enseigné ça? Qui t'a une fois dit qu'à partir de 4h du matin, qui t'a une fois, personne ne t'a enseigné ça? Les mystères de la terre, personne. Comment se déconnecter? Comment reconnaître la sorcellerie? Comment reconnaître ça? Qui t'a une fois enseigné ça? Je vous ai ouvert beaucoup de yeux, mais pourquoi vous ne soutenez pas mon ministère? Vous dites que vous avez foi en Dieu. Où sont vos œuvres? Car la foi sans les œuvres. Il y a des gens qui disent non, je vais réfléchir d'abord. Hein? Tu vas réfléchir d'abord. Ça dit, aujourd'hui, pour soutenir le ministère du prophète, on doit réfléchir. Or, quand la sorcellerie te poursuivait, là, tu ne réfléchis pas. Tu ne vas pas mettre ça en prière. C'est de la sorcellerie. C'est là maintenant que tu sais prier pour que Dieu te convainc là pour voir si tu peux soutenir son ministère. Ah, ok. Quand tu avais sorcellerie, là, j'étais là, hein, j'ai combattu. C'est maintenant là que, où on dit, tu as soutenu, tu dis, je vais voir où si je dois soutenir son ministère. Hein? Galates 6 dit, si celui qui t'enseigne l'évangile, parce que je le fais, tu as bénéficié de mon enseignement, tu as bénéficié de beaucoup de choses, donc ta part, tu as le plein droit. C'est-à-dire, toi, tu dois le faire. C'est un impératif, c'est une obligation. Les contacts sont tellement simples, vous appelez Divo. Je reprends les numéros de Divo. Voilà, je reprends les numéros de Divo. C'est 00225-00225-4607-2328. Je connais pas mal de gens. Il y a pas mal de gens aujourd'hui à qui vous lancent des messages. Qui lancent des messages dans soutenir la chaîne de télé. Mais chaîne de télé, ça fait quoi? Soutenir chaîne de télé, donner pour nos télévisions qui est en ligne, donner pour nos télévisions. Ça vous apporte quoi? C'est le seul ministère qui vous a ouvert les yeux. Ouais, héritier céleste, mon fils, shalom. C'est le seul ministère. Un monsieur rentre chez vous, il y a sorcellerie, la neve. Un monsieur rentre chez vous, il y a canari, il déterre. Un monsieur, il rentre chez vous, s'il y a un prône de sorcellerie, il détruit ça. Il vous montre comment éviter la sorcellerie. C'est un ministère unique au monde. Les gens, ils crient. Révélation, là, le diable donne ça. Guérison, les médecins, ils guérissent les gens. Avec l'aide de Dieu, bien sûr, ils guérissent les gens. Mais la sorcellerie, c'est l'unique ministère au monde. Avant, les gens avaient peur de ça. C'est au travers de ce ministère qu'ils ont commencé à... Ce ministère a mené beaucoup à ramener les gens à l'église. Parce qu'à un moment, les gens étaient découragés, ne partaient plus à l'église. À cause de ce ministère aujourd'hui, les gens, ils font en Dieu, ils vont maintenant au village. C'est le seul ministère. Non. C'est pas montage, c'est bébé. Pour nous, c'est des preuves. Il n'y a pas un endroit. Amène-moi en Chine. Je serai en août au Cameroun. Vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu sur le sol camerounais, sur le sol sénégalais. Vous allez voir. Ce que vous avez vu en France, ça, c'est rien. Dieu utilise un homme comme ça dans une grande dimension. Au lieu de soutenir son ministère, vous devez aider le ministère à évoluer. Il y a un orphelinat. Vous ne pensez qu'à vous. Moi-même, il y a quoi? J'ai quoi? Ceux qui crient là, il y a une fois, montez-là, Jésus. Moi, je suis resté. Les gens ont vu mon évolution. Comment j'ai commencé? Jusqu'à quand j'ai construit l'orphelinat, jusqu'à quand j'ai créé une école, j'ai créé des champs pour aider les jeunes. Je suis parti de rien comme ça. J'ai volé devant tout le monde. Les preuves sont là, les traces sont là. On dit c'est celui qui marche qui laisse les traces. Les traces sont là. Vous allez regarder toutes mes vidéos. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, je veux qu'on soit orphelinat. Un matin, vous avez vu que l'orphelinat est fini. J'ai ouvert l'orphelinat. C'est elle. On dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Jacques, chapitre 2, le verset 17. La foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as la foi? Où sont les œuvres? Il y a les gens qui pensent qu'ils sont des grands prieurs. Ils vont chanter, ils vont pleurer. Le Seigneur est merveilleux. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas prêts. Pour donner pour Dieu de Dieu, ils sont même pas prêts pour les œuvres. On dit tu as la foi, mais où sont les œuvres?
Où sont les œuvres? Or, depuis quand tu aimes une femme et puis tu lui manifestes pas l'amour par les gestes que tu fais. Si vous aimez le Seigneur, vous allez soutenir son ministère. C'est tellement clair et propre. La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Vous regardez l'œuvre de Dieu, ça ne vous dit rien. Mais Dieu aussi, si vous vivez une situation, lui sera aussi désintéressé. Ça ne va même pas l'intéresser. Il va vous regarder aussi dans le problème, il vous regarde, il vous assiste. C'est ça que moi, il a dit, Abraham, ce qui a justifié Abraham, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres qui l'ont justifié. Il a aimé le Seigneur, il a prouvé ça en donnant le sacrifice d'Isaac. Il aimait le Seigneur. Il a donné le sacrifice d'Isaac. Ceux qui parlent, regardez parmi tous, vous avez une fois vu, il y a des gens qui disent qu'ils ont l'argent. Il y a les hommes de Dieu qui disent qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont une fois construit l'orphelinat. Ils ont construit l'orphelinat. Parce que construire l'orphelinat, c'est très bien. Mais encore, il faut entretenir ça. Ah, c'est là le problème. Moi, je n'ai aucune subvention de l'État. Heureusement, il y a certaines personnes qui nous aident. Mais le salaire, c'est moi qui paye. Hein. Le personnel, c'est, l'argent vient de moi. Pour le moment. Vous criez, il y a l'argent, j'ai voiture, j'ai tant. Tiens, une fois, quand on a l'argent, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'œuvre de Dieu. Moi, je l'ai prouvé. C'est pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais crié sur les réseaux sociaux qu'il y a l'argent. Non. Non. Cet argent-là, je prends. C'est pour l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, quand il est fin du mois, je n'ai plus rien. Parce que quand ça rentre, ça va pour l'œuvre de Dieu. Plus de 1 million, ça c'est plus de 3 millions que je dépense. C'est pour ça que Dieu est dans l'obligation de me bénir. J'ai l'argent, je suis homme de Dieu, j'ai l'argent. Bah, et puis quoi? Tu es boucantier ou bien? Tu es faroteur ou bien? On a l'argent pour aider l'œuvre. Quand on a l'argent là, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce sera que l'orphelinat là, quand on conscient l'orphelinat, c'est ça le problème. Les gens ont peur. Parce qu'ils ne peuvent pas oser. Parce que dans un premier temps, il y a le sacrifice. Tu dois dépenser. Il faut payer le courant. Il faut payer la nourriture. Il faut payer quoi? La nourriture, le courant, l'entretien. On a un dispensaire. On a une infirmière. Une aide-soignante à l'orphelinat. Une infirmière, aide-soignante. On a éducateur spécialisé. Les enfants de l'orphelinat sont à l'école privée. Ils sont dans les écoles privées. Ils ont un professeur, deux professeurs d'anglais qui veulent les enseigner. C'est de l'argent qu'on dépense tous les fins du mois. Le salaire des gens, la nourriture, c'est plus d'1 562 000 francs qu'on dépense pour soutenir pour l'orphelinat. Vous savez, combien ça fait par an? Vous comprenez? Donc, la Bible dit, quand tu dis que tu aimes Dieu, il faut que ça soit suivi des œuvres. Parce que l'amour sans des œuvres, elle est morte. Tu aimes le Seigneur? Où sont les œuvres? Parce que l'amour sans les œuvres, elle est morte. Vous comprenez? Or, la Bible dit, la vraie religion pure devant Dieu sans tâche. Ça, vous apprenez ça chaque jour. Mais c'est comme ça passe ici, ça rentre. C'est de soutenir les veuves et les orphelins et à se préserver des souillures de ce monde. C'est-à-dire, en réalité, si tu as la foi, il faut aider. C'est ça que la Bible dit ici, dans Jacques, le chapitre 2, hein, à partir du verset 14, il dit, le verset 6 dit, si un frère, le verset 15 même, le chapitre 2, le verset 15 dit, si un frère ou une sœur sont nus, et manque de la nourriture de chaque jour. Le verset 16, et que l'un d'entre eux, vous leur dites, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas, pas ce qui est nécessaire pour leur corps,
En quoi soit-il? En quoi sert-il? C'est-à-dire, si les gens sont malades, ils ont des difficultés, ils sont dans les besoins, hein? Et puis, alors, les enfants sont dans les besoins. Tu vois, l'Afrique a besoin d'être soutenue. Les enfants, ils ont besoin. Je les vois dans une situation. Attends, moi, ma foi, si j'ai foi en Dieu, je dois manifester les œuvres. Si je me tais, ça ne me dit rien, je reste indifférent, c'est que l'esprit qui est en moi, c'est un esprit du diable. Parce que l'esprit qui est en toi, si c'est un esprit de Dieu vraiment, et que tu vois les enfants en difficulté, tu vois une œuvre de Dieu, tu ne réagis pas. C'est que tu n'as pas l'esprit, tu as un démon en toi. C'est que tu as un esprit de démon, tu as un démon en toi. Parce que le Saint-Esprit nous pousse à l'amour de notre prochain. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, ah frère, tu ne restes jamais indifférent face à une situation difficile. Il y a des gens aujourd'hui qui savent, qui connaissent l'orphelinat, ça leur a jamais rien dit passer dans la tête. Mais ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Je ne vous ai pas dit, on n'est pas obligé. Mais la Bible nous recommande ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu le fais, tu accomplis la parole de Dieu en le faisant. Combien sont ceux qui aident les gens? Tu es chrétien, mais tu es méchant. Tu ne partages pas. Ce qu'on retient de toi, tu es méchant. On est les cornes de Lucifer. Méchant comme les cornes de Lucifer et sa petite culotte sale. C'est comme ça que tu es. Tu as la foi. Tu crois en Dieu. Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Moi, voici mes œuvres. Il faut produire les œuvres, frère. Il faut produire les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Vous allez beau parler. La Bible dit, tout ce que nous faisons sur cette terre, nous accompagnerons un jour dans le ciel. Ça va nous accompagner un jour. Nos œuvres nous suivront. Ce que tu fais sur la terre ici, ça va te suivre. Si vous voyez une œuvre de Dieu, et qu'on parle d'une œuvre de Dieu, et vous êtes indifférent, ça dit ton cœur ne bouge pas. Tu ne sens même pas. Tu restes insensible à l'appel. Ça ne te dit pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, tu vas te sentir concerné tout de suite. Ça va t'intéresser tout de suite. Parce que tu te sens dedans. Tu te sens dans l'obligation de le faire. Or, quand tu le fais, Dieu te bénit. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qu'on cherche. Or, en donnant, en t'investissant, Dieu te bénit. Vous voyez? Je suis parti d'un point à l'autre point. Je n'attends même pas que quelqu'un me dise quoi que ce soit. C'est moi. J'ai de l'argent, je dois acheter un instrument, je l'achète. Ceux qui font les œuvres sans être assistés dans la foi, alors. Non, écoutez, on dit, tu crois en Dieu. La croyance en Dieu doit t'envoyer produire la foi. Mais tu as la foi comment? Tu as la foi comment? J'arrivais sur le verset. D'après, n'apportez pas vos raisonnements humains. N'apportez pas. J'explique terre à terre. J'explique. On dit, Jacques, chapitre 2, le verset 17. On dit, ainsi, il en est ainsi de la foi. Si une n'a pas les œufs, elle est morte. On dit, bon, le verset 18 qui va nous intéresser. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œufs. Montre-moi ta foi sans les œufs. Et moi, je te montrerai la foi par les œufs. Je te montrerai la foi par les œufs. C'est-à-dire, la foi doit produire en toi les œuvres. Si tu as foi, Abraham avait foi en Dieu et croyait en Dieu. Donc, quand Dieu lui a demandé, donne-moi Isaac, il a fait. Toi, aujourd'hui, on vous demande, vous avez tout à la foi, mais où sont les œufs? Le jour où on te dit, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, et puis quand ton cœur n'est pas réceptif à la parole de Dieu,
Ça veut dire qu'un gros démon a les cordes, une vilaine culotte déchirée, comme culotte de Gargamel assis dans ton cœur. T'as dit, Roger? Mais oui. Abraham a foi. Il a manifesté les œuvres. Dieu l'a éprouvé. Attends, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui a la foi, il n'a pas éprouvé? La foi toujours du mis à l'épreuve. Il a eu la foi, il a cru. C'est parce qu'on dit le père de la foi. Abraham est le père de la foi, qui veut dire la croyance. Il croit en Dieu, il a la foi. Il quitte ta patrie, il quitte. Il va dans un lieu inconnu. Il part dans un lieu connu. Ok? Arrivé dans un autre endroit, il reste là, Dieu le montre. En même temps, Dieu, le fils unique qu'il a vu, avec cette vieille, la vieille Sarah, qui était mon épousée, ça dit c'est fini. Dieu lui donne mon enfant. Va le tuer. Il a accepté. Il n'a même pas discuté. Il a montré ses œuvres à Dieu pour dire au-delà de la foi que j'ai en toi, je suis prêt à tout. C'est ça, on dit les œuvres. Je suis prêt à tout, même mes finances, même ce que j'ai, au-delà même de mes forces, je suis prêt à tout faire pour toi. C'est ça la foi, avec les œuvres. Non, on aime nos papas spirituels, le prophète. Mais vous n'êtes pas prêt pour investir dans l'œuvre. Ça ne vous dit rien. Les gens qui bavent beaucoup là, ça va vous partir. Ben oui. Or, la Bible dit dans Galates 6, le verset 6, si je t'enseigne la parole, toi-même en retour, là, tu dois bénir mon ministère. Tu dois bénir mon ministère. Il n'y a pas bien de te dire. Allez, dis Galates 6, verset 6. Allez, chaque jour, il faut te réverser ça pour comprendre. C'est le seul ministère qui t'a ouvert les yeux, qui a commencé à comprendre beaucoup de choses. C'est le seul ministère qui te donne la force aujourd'hui pour pouvoir marcher selon Dieu, pour pouvoir marcher et avoir la force de combattre les œuvres de la sorcellerie. C'est le seul ministère. Vous comprenez? Amen, amen. J'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. J'ai la foi. Moi, j'ai la foi. J'ai foi en Dieu. Où sont tes œuvres? Parce que la foi produit les œuvres. La foi produit les œuvres. La foi produit les œuvres. On allait en croisade à Bruxelles. Les gens manifestaient la foi et les œuvres. Ils se sont investis dans l'œuvre. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Ils ont donné. Nous étions en Italie. Ils ont organisé. Vous ne pouvez pas venir organiser une croisade et puis faire des simples business. Non, c'est qu'on investit dedans, on va retirer ça dedans pour tant de temps. Mais ce n'est même pas bien qu'on fait ça. L'œuvre de Dieu, frère, on ne réfléchit pas. Il y a des gens qu'on essaie. Mais les Marly, les Silla, mais attends, c'est les gens qui ont investi. Donc, viens. Mais vous pensez que Dieu va les laisser? En Italie, les Doni, en Suisse, mais vous pensez que Dieu, vous voulez servir Dieu, puis sans les œufs, c'est pas possible. Non, c'est même pas possible. C'est même pas possible. Ce n'est pas possible. La foi en compagnie des œuvres. Vous avez la foi. Mais où sont les œuvres? Et c'est ça la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as la foi, mais où sont tes œuvres? Oui ou non? Moi-même, je crois en Dieu. N'importe quoi. Excusez-moi. Où sont les œuvres? Moi, je crois en Dieu. J'ai mes œuvres. Je peux toucher les œuvres de ma main pour dire voici ce qui est fait. Je saigne des enfants qui ne m'appartiennent même pas. Comme je ne veux pas qu'ils meurent de faim. Comme je ne veux pas qu'ils deviennent des microbes pour nous piquer à Abidjan. Ils vont nous piquer. Ils vont nous dépecer comme Choukouya. Il faut qu'on les regroupe. Les enfants qu'on rejetait à cause de sorcellerie, je les ai récupérés. Leur donner une éducation. Parce que si j'aime Dieu, je dois aimer mon prochain que je vois. Et ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, je le fais pour mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que j'ai fait. C'est qui je veux.
voir les, mon enf, mes enfants éduqués. C'est comme ça que j'éduque aussi les enfants des gens. Donc, je récupère les enfants, je leur donne une éducation. Ils mangent matin, midi et soir. Donc, voici l'œuvre, voici les œuvres qui accompagnent la foi. Oui, les microbes, si on ne les laisse pas, les enfants, si on ne les met pas dans un endroit, ils vont devenir les microbes. Aucun OGV ne peut les tuer. Antibiotiques, mais ne peut même pas même. Et ils vont nous dépecer. Tout récemment, ça fait deux jours, à Yamé, les gens, ils vont au 220. Les petits microbes sont allés m'acheter les gens dans la mosquée. Si les enfants ne sont pas éduqués, ils deviennent dangereux pour la loi. On les appelle l'enfant confié à la loi. Vous aimez Dieu? Où sont les œuvres? Où sont vos œuvres? Non, j'ai la foi. Mais sans la foi là, produit les œuvres. Abraham a eu la foi. En même temps, il y a eu des œuvres qui ont accompagné la foi d'Abraham par le sacrifice d'Isaac. Vous ne pensez qu'à vous. Jamais vous n'avez pensé un instant à soutenir l'œuvre de Dieu. Jamais. Vous commencez et vous ne terminez pas. Vous faites semblant. Ah non, c'est difficile. Moi, éternellement, je m'investirai dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour moi, frère, je n'ai pas de mots. Je n'ai rien à donner à Dieu pour ça. Tout ce que je peux faire sur cette terre, c'est de m'investir dans son œuvre, corps et âme. J'étais possédé. Je devais mourir. La sorcellerie m'avait attaqué. Jésus-Christ m'a amené de la mort à la vie en me délivrant des œuvres de la sorcellerie. C'est pour ça que moi, Crasso, là où ses frères sentent l'œuvre de Dieu, je m'investirai là-bas. Même si je vous vendre tous mes biens pour mettre ça dedans. Parce que derrière, quand je fais ça, la Bible dit que mes œuvres m'accompagneront demain. Tu te lèves matin, le sou de vie là, c'est toi? C'est toi qui te donne ça? Si Dieu voulait compter narine, c'est-à-dire les sous qui rentraient dans la narine des gens, beaucoup ont les payés, beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup qui respirent aussi. Ah, nos compteurs là, peut-être qu'il y a d'autres, mais Dieu m'a dit, non, toi, tu as trop respiré, pardon. Hein, faut que deux semaines là, tu ne respires pas parce que tu as trop respiré, tu as fini l'énergie. Mais rien. Il n'y a pas de compteur qui est près de nos narines où on respire, puis ça compte. Les gens font leur courant, ils ont compteur. Les gens font de l'eau, ils ont compteur. Nos narines, il n'y a pas compteur. On respire air du monsieur là. Cadeau. On se lève matin même, on ne pense même pas que faut penser à lui. Nos narines respirent seulement. Il n'y a jamais quand ils dorment la nuit, mais leur boîte musicale, boîte à rythme, en train de faire concert, tellement qu'ils prennent l'air. Que la maison vibre. Les vibrations de narine avec le ronflement. Donc un monsieur comme ça, frère, tu ne payes rien. Ton biol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 
On respire ou on respire. On respire ou on respire. Il ne nous a jamais dit pour payer. Nous devons investir dans son œuvre. Ah oui, c'est bien dit. Dormir est une évidence, se réveiller est la grâce de Dieu. Ça, c'est clair. C'est une évidence dormir, mais se réveiller est une grâce de Dieu. C'est très bien dit. Donc, quand Dieu te réveille, il t'accorde cette longévité, cette grâce de se réveiller. Il faut penser à son œuvre, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, comme je disais, il faut ajouter de cette foi les œuvres. Sinon, si tu crois seulement que tu as la foi, le diable croit, mais il tremble. Parce que le diable même croit que Dieu existe. Hein. C'est ce que la Bible nous dit. Quand vous lisez la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans Galates, dans Jacques, hein, n'est-ce pas? Le diable même y croit. Hein. Jacques, le chapitre 2, le verset 19, on dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. C'est-à-dire, le démon même croit que Dieu existe, mais il tremble. Par moment, il tremble. Pour dire en un mot, ce qui fera la grâce sur ta vie, c'est la foi. Mais les œuvres. Donc, je veux m'arrêter là. Je crois que demain soir, je vais revenir sur la prière. Nous allons voir un élément très important qui est la prière. Et nous allons voir les étapes de la prière. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour entrer dans la prière? Je vais vous expliquer brièvement, je touche un peu. Le thème prière veut dire demande, c'est-à-dire rencontre avec Dieu. Je m'avais prié, c'est une rencontre avec Dieu. Dieu n'a jamais... Je disais à quelqu'un, Dieu n'a jamais dit pleurer. Et puis, je vais vous exaucer. Il y a des gens, Seigneur, il pleure. Dieu, les larmes, Dieu, non, ce n'est pas les larmes là que Dieu regarde. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Comment invoquer Dieu? Comment entrer dans cette phase de prière, de rencontre de la puissance de Dieu? Comment pénétrer la présence de Dieu? Vous allez voir. Il y a sept étapes. Les sept étapes, c'est ce que nous allons découvrir. Vous allez voir que si vous maîtrisez les sept étapes de la prière, vous devenez un homme puissant dans la prière. On ne peut jamais rentrer dans la maison de Dieu sans qu'on ne se purifie spirituellement. Qui est qu'on appelle la confession, la première étape de la prière, dont je suis en train d'introduire l'enseignement de demain. Et comme ça, je vous dis dans la semaine, en quel moment vous devez jeûner, en quel moment vous devez faire des veillées de prière, en quel moment les heures stratégiques pour attaquer la sorcellerie, pour attaquer les choses. Je vais vous donner ça. Quand vous suivez les sept étapes de la prière, vous pouvez faire même plus d'une heure. Demain à 22h. Demain 22h, heure de l'Europe. Demain 22h, heure de l'Europe, les mystères de la prière. Je veux rentrer, je veux décortiquer les choses. Comment dire, qu'est-ce qu'on appelle invoquer sur quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la proclamation? Qu'est-ce qu'on appelle une prière prophétique? Je vais vous décortiquer, vous allez comprendre. Quand on finit de prier matin, il faut forcément faire le psaume 23. Forcez. Quand vous finissez de prier matin, vous rentrez dans cette prière prophétique. C'est pas les, vous devez le faire. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Vous devez faire ça. C'est une déclaration de foi à partir de 5 heures. Celui qui ne prie pas à partir de 3h30, 4h du matin, qui va attendre 6h, vous êtes mal barré parce qu'un ange vient se poster là. À partir de 3h, 4h du matin, un ange vient se poster. Donc, je vais vous expliquer les heures stratégiques des anges pendant la prière. Donc, quand vous finissez de prier matin, comment matin introduit sa prière? Comment on introduit sa prière matin? Qu'est-ce qu'on dit matin? Quand on se lève, qu'est-ce qu'on doit dire? Et qu'est-ce qu'on doit déclarer sur la journée? Et à partir de la journée, il faut prophétiser. Il fait cette prière prophétique que l'Éternel est mon berger. C'est le psaume le plus puissant matin. Vous allez voir que vous allez attirer tout ce qui est la grâce, les bonnes choses sur vous. Ce qu'un homme déclare, c'est ce qu'il arrive.
et les soirs. Le psaume 4, verset 9. Les mystères de l'aurore, les mystères de la prière. Je vais rentrer demain dans les mystères de la prière. Ah oui. Quelle est la prière qu'on doit faire pour voir ceux qui nous attaquent? Demain, ne loupez pas ça. Hein? Voilà. Je suis en train d'introduire. Ouh là là, ne loupez pas ça. Et puis d'ailleurs, il faut que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Il faut que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. L'appel est rentré à tous les enfants spirituels là où vous trouvez. Si vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous êtes quelque part, ne ratez pas ce programme de ce week-end. Venez, nous allons prier pour que nous bénéficions des dons et que Dieu nous remplisse du charisme. Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Dieu nous remplit de sa plénitude. De 8 au 4. Voilà. Pour ceux qui veulent soutenir l'orphelinat, c'est tellement simple. 00225 47 07 23 28. Vous appelez au secrétariat de Divo et vous donneront, n'est-ce pas, la suite du comptable et tout compte fait. Quand vous faites les dons, on me fait des points. Et ça, et nous avons la liste des donateurs. Soyez les meilleurs donateurs dans votre vie. Voilà. Donc, demain, le rendez-vous est pris pour, n'est-ce pas, 22h, heure de l'Europe, à l'école des mystères. Demain, on envoie les mystères de la prière et je vais vous enseigner beaucoup de choses. Vous allez voir que vous n'avez jamais prié. Vous allez voir que vous allez prendre goût à la prière. Vous allez voir que la prière sera facile pour vous. Vous allez bien introduire la prière. Vous saurez ce qu'il dit dans la prière. Parce que par moments, on ne sait pas ce qu'on dit. Et puis, on est lassé, ça nous fatigue. Et puis, on ne sait même pas. J'avais dit quoi au Seigneur? Seigneur, tu es merveilleux. Hein? Amen. C'est quelle prière ça? Seigneur, je dormais, tu m'as réveillé. Bien réveillé. Réveillé. Amen. C'est quelle prière? Seigneur, la nuit là, j'ai vu un monstre. Mais il ne m'a pas mangé. Amen. Vous allez voir les étapes de la prière. La première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape, la sixième, la septième étape. C'est quand vous rentrez dans cette dimension, vous-même, quand vous ressortez de la prière, vous êtes guéri dans ma tête. Vous êtes à l'aise. Ne ratez pas la prière, ne ratez pas le corps de prière demain, les mystères. Et là, ça va prier. Seigneur, tu es merveilleux. Mais Seigneur, Seigneur, mon Dieu, j'ai dit quoi, Seigneur, merveilleux, c'est quoi ça? Soyez des guerrières et des guerriers de la prière. Des guerrières et des guerriers de la prière. Je vous enseignais un enseignement de taille. Quand on dit introduction de la prière, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient devant Dieu, on fait quoi d'abord? Et après, qu'on fait quoi? Et après, on fait quoi? C'est ce que les musulmans font. Hein? Ils lavent les ablutions, ils lavent les mains. C'est une purification. Autant de tabernacle. Le tabernacle, j'avais le lieu de purification de ses péchés pour avoir au lieu saint. Je vous expliquer un peu ça. Et ce qu'on doit faire quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est de se purifier avec les versets bibliques à l'appui. Après, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à la septième étape? Quand tu finis la septième étape, toi-même, tu es convaincu que tu as fait plus d'une heure. Or, Jésus dit, vous n'avez même pas fait une heure avec moi. Un homme qui prie doit au moins faire minimum une heure. Minimum une heure. Une heure minimum. Pas maximum, hein. Minimum une heure. Oui, la première étape, la deuxième étape, il y en a sept étapes. Nous verrons ça demain. Shalom à vous. Il faut que vos foies soient suivies des œuvres. Shalom. Montrez à Dieu qui le met en prouvant. Ne soyez pas insensible à l'enseignement de Dieu. Recevez cet enseignement en vous. Si vous voyez que la parole, vous n'êtes plus réceptif à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un démon
dans du chuchotement. C'est un démon aussi qui vient s'asseoir. Quand on prêche la parole, ça sort. Ça ne reste pas. C'est un démon. Va te faire délivrer. Parce que tu peux même fister le Saint-Esprit, il peut ne pas être en toi. Et frère, on dit que vous serez heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Voilà, un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui s'inversit. Ce n'est pas une question de dire non, 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 putain, tu as va, on devrait sortir. Méchant comme les cornes et les culottes, d'ailleurs plein de fentes de Lucifer, comme les culottes de Satan, comme les culottes de Gargamel. Shalom, bonne nuit à vous. Seigneur, bénis ton peuple, que ta grâce demeure sur eux. Merci d'apporter ta grâce. Permet que ces personnes, nous puissions être des guerriers de la prière. Amène-nous dans un réveil pas possible. Donne-nous de nous réveiller. Apporte-nous le réveil. Nous donnons, Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous, donne-nous le réveil spirituel. Le réveil, afin que nous puissions prendre conscience de certaines réalités spirituelles. Aimer la parole de Dieu, aimer la Bible, aimer évangéliser, aimer tes choses. S'investir dans ton œuvre. Oui, s'investir, à ne pas avoir peur de s'investir, avoir ta crainte, s'il te plaît, surtout ta crainte. Mets-la dans nos cœurs, nous sommes hommes, nous sommes des humains, nous commettons toujours des fautes devant toi. Aide-nous à nous remonter la pente, à marcher selon toi, à vivre selon ta parole, à marcher selon ta parole. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu. Donne-nous cette force, ce n'est pas facile, mais aide-nous, Seigneur, à marcher. Réveille-nous, nous dormions, Seigneur, réveille-nous. Donne-nous cette force de marcher selon toi. Shalom à vous. Soyez bénis, on est à demain. Restez bénis. Shalom.